Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Solo va a ver la calle, yo, ya,
Sopra de Babudu, Egalu Sabadadu,
Egalo masala balatu barate gabatu bayande. I worship you, Jesus. Nous t'adorons, Jésus. I worship you. Hallelujah. Almighty God, Almighty God, there is none like you. I worship you. De partout où vous êtes en ce temps-ci, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, depuis quelques jours passés, de la parole. Et quelques jours passés, nous avions commencé à parler concernant l'efficacité de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avions à parler concernant les filles. Nini, pourquoi? Parce que tu commis en gonga. Nous avons atteint la parole. De la parole. Tu commis en gonga. Nous sommes au Yobananzambe. Où les enfants les il faut mandima liloba dengue ezali kaka dengue wanana mubeso. Doivent croire à la parole de Dieu brute. Afin que les enfants de Dieu sachent que la saison de la parole a sonné et que la parole est à même de te guérir de loin sans qu'on puisse te toucher. Alléluia. Amen.
ekomi ngonga ya 2 mètres. C'est le temps de la distanciation. So il faut dire liloba ya zame. Il faut croire en la parole. Que liloba ya esprit. Que la parole est esprit. Et qui ko sotele yo na musika. Et peut plonger sur toi. Et ko ko sotele yo apati ya écran oyo. Et peut pénétrer. Écoute li yo na soto. Et limu si eloko yo se sengele limwa. Et faire disparaître tout. Et écoute si eloko yo se sengele kota. Et faire entrer tout ce qui doit entrer. Ma chobra de gabalaba. Parce que parole est Dieu, Dieu est sa parole, et parole est illimitée. Oko ko telemisaete, oko ko limitéete, oko ko stoppéete, à respecter kate location géographique. Je suis venu pour te préparer pour les jours à venir. Alléluia. Amen. Tout ce qui se passe aujourd'hui est surprendre bisoté. Et quand on surprend bat mon sous, mais il y a des gens et surprend bamoté. Na misu ya zambe na misu ya zambe tout ce moni na musika. Et pour certaines personnes ils sont surpris, mais pour d'autres comme moi, je ne suis pas surpris par la grâce de Dieu. J'avais déjà vu depuis longtemps. Toyebi place outa, toyebi place zokende. Nous savons d'où ça vient, nous savons où ça va. Et Jésus est Seigneur. Ndeko. Bien-aimé. Yango tubani kotala. Voilà pourquoi nous avions commencé à voir. Na o itali efficacité de la parole. Concernant l'efficacité de la parole. Que la parole de Dieu est efficace. Et le mananzambeza nguya. Les mots efficaces. Efficacité to lobi is l'impact de la parole. Ou ce que la parole peut faire. Parce que Jean 1:1 a lobby ceci. Dans le livre de Jean 1:1, la parole de Dieu. Que la parole de Dieu est Dieu. Le Balanzambe Zanzambe. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Dieu et sa parole sont un. Et cette parole a devenu chair dans verset 14. Pour te faire comprendre que cette parole peut devenir n'importe quoi. Quand la parole sort, et qu'elle s'est transformée, et comme un lobico. Elle peut se transformer en guérison. Faire entrer un enfant dans ton sein. Et comme un rein yasika. Devenir un nouveau rein pour toi. La parole de Dieu a la capacité de se métamorphoser. Qu'on se transforme. La parole dans verset 14. Verset 14. Chapitre 1 à l'obi. Et la parole est devenue chère. Lingala l'obi. Et l'iloba. Et comme moussouni. Et cette parole est à même de se métamorphoser, de prendre n'importe quelle forme, comme la parole de Dieu le dit. L'iloba zambe zana nguya kokota na katia misisa makila na katia ba jointu et ekoti et pikisi parce que aza esprit et limo na stopé en côté aza illimité. La parole de Dieu est capable de pénétrer jusqu'aux jointures, jusqu'aux moelles pour te guérir car elle est illimitée. Bien-aimé, n'oublie pas que le monde là où nous vivons maintenant, la parole de Dieu nous a dit clairement que tout ont été créés par la parole. Si tout ont été créés par la parole de Dieu est efficace dans ce monde. La parole de Dieu peut créer l'impact dans ce monde. Et comment ça n'a été le bananzam et si tu souhaites mon kili et si quand tu as dit kubika et que la makina ni le bananzam et ce qui le bananda que la kili loba et que la kimo kili sana makoki ya kosala nyonso na mokili. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Ya ngonga to comme ils en ngonga ya ko connecter kondima nayo. Et le temps que nous avons atteint, c'est le temps où nous devons connecter. Macho braze kaduma skande kele mokoso prodia. Les lotos pour bandit to bandit na premier point lobi sachez que la parole de Dieu vivre pour toujours. Vivre pour toujours, comme Dieu aussi, vivre pour toujours. La parole vit toujours. La parole ne meurt pas. Alors, toutes choses vont passer, mais la parole vivra éternellement. Deuxième point à traiter, la parole de Dieu est invisible.
On ne les voit pas, mais on voit ses effets. Comme le vent, tu ne vois pas, mais tu vois ses effets. Comme Dieu, tu ne les vois pas, tu vois ses effets. La parole de Dieu est invisible. Alléluia. Amen. Et agit à Cana invisible, mais après au monde, il fait nango visiblement. À l'obéli Lazare, parole, Moutoua Koufa, mais ton moni, efficacité à parole, l'efficacité de la parole. Lazare sort. Yes, Lazare, bima. Magre ba kangye ba tche ba kouton na zolo na matoy na nyonso ba kangi makolo na maboko a telemi. Bien qu'il était ligoté, il s'élève. L'efficacité de la parole. Hallelujah. So, la parole de Dieu est invisible. Numéro 3, la parole de Dieu a la capacité de se métamorphoser. A été lobby de moi aussi que la parole de Dieu est illimitée. Et la parole de Dieu a la capacité de vous bâtir. La parole de Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Je crois qu'on a arrêté là-bas. Aujourd'hui, nous avons la paragraphe Moussous. Toujours en parlant de l'efficacité de la parole. Pourquoi tout cela pour aider bébé chrétien qui voulait toujours l'imposition des mains? Maintenant, on a imposé au maboko de Nini. Maintenant, comment je vais t'imposer? Pasteur n'a pas imposé au maboko de Nini. Comment ton pasteur va t'imposer? C'est ce que nous disons. Il faut yéba caractéristique. Tu dois connaître les caractéristiques. Il faut yéba le lengenini parole de Dieu travaille. Tu dois connaître le mode opératoire de la parole de Dieu. Il faut yéba efficacité à parole. Tu dois connaître l'efficacité de cette parole. Que même na musika okokozwa lobiko. Même de loin tu peux recevoir. Okokozwa visitation divine. Tu peux recevoir la visitation. À travers des un mot. Nathan il m'a moqué. Parce que na saison to koti. La saison de laquelle nous sommes. Et dangongo ya parole. C'est le temps de la parole. Qu'est-ce que tu vas dire à la serviteur de centurion, les soldats là, dans la Bible? Il est là à la maison. Son serviteur, le centurion, était à la maison et paralysé. Je ne dis pas mot de tête. Pas estomac. Paralysé. Mais son maître, le centurion, a rencontré Jésus dans la rue. Jésus dit ok, je vais venir chez toi. Non, je ne suis pas digne de t'accueillir chez moi. Mais en tant que soldat, une autorité, un officier, le toi la capitaine y a un soldat. J'ai la révélation de l'autorité. En tant qu'une autorité militaire, je sais, je comprends à vos ordres. Toi, Jésus, je ne suis pas digne de t'accueillir chez moi. Seulement, dis un mot. Fais sortir une parole. Et moi je sais, mon serviteur à la maison sera guéri. Voyez quelqu'un qui a la révélation. Jésus a lobby, ça c'est grande foi. Je n'ai jamais vu un grand pareil dans Israël. Alléluia. Amen. Et quand Jésus a fait sortir parole, et en tout cas va. Quitte ça, fait comme tu as cru là. Et en arrivant chez lui, il a vu que son serviteur était guéri. Complètement réétabli.
Il pose la question à tous ceux qui sont à la maison. À quel est celui-ci été guéri? Restauré. À quel est? Ils ont dit à tel air. À Tali et à Monique, c'est même air quand Jésus a fait sortir la parole dans la roue. Ici à la maison, son serviteur était guéri. Distance et empêche parole à agir. La distance n'empêche pas à la parole. Dengeza wana na symboli ma bokorangai et na déclaré visitation divine na vina yo, visitation divine na ndaku na yo, visitation divine na foyer na yo, na kombo na Yesu Masia. Voilà qu'on doit comprendre la révélation derrière l'efficacité de la parole. Verrez des lois être promulguées dans le monde entier. Et ces lois viennent de très loin. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Pour la boulam nabiso, disons, 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 pour la boulam nabiso, disons,
école de guérison mutuazana soins intensifs ba memi yekuna azo kende pema izo zoyer azo yokanga dengi na zo teya na culture école de guérison na lobby au nom de Jésus yo pena lebelio lève-toi. Parce que Israël a lui, comme il me parlait, l'esprit entra en moi et me fait tenir debout. Mutuazo kufa, ayoki balamoko atelemi nambeto. Nangalema, s'il te plaît, sois intensif. Atelemi, kubika nyonso yangoana. Ma docteur Baye, balubito, tozo libere yo. Abenginga ye moko. Hallelujah. Abenga mercredi wana kaka. Parole. La parole est sortie. À l'efficacité. Et Vananguya. Soleil est élevé. Le soleil s'arrête. La parole est à Moutou. Par la parole. Ngonga Zazo Koma. Et Zangonga ya Bandimi. Oyo Baza Mir. Bandimi. Oyo Bakoko Zwa Namusika. Le temps arrive où on aura besoin des chrétiens qui sont mûrs, qui sont à même de recevoir de loin par la parole. Alléluia. Amen. Masubra ne katuzane makala mateke peteke likapata la matsuzo prodia. Ok, septième point. À part la parole, à la capacité de se métamorphoser, ou à l'autotélémie. Septième point aujourd'hui, la parole de Dieu ne peut pas tomber à terre sans accomplir. Si Dieu est sa parole, comme Jean 1:1 nous avait dit, quand on était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et verset 14, cette parole a manifesté en chair. Et nous avons vu la gloire de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si la parole est Dieu, est-ce que Dieu peut tomber à terre? Est-ce que Nzamba veut kokoya? Et au moko répondre. Répondez de là où vous êtes. So moko, y a caractéristique, y a parole. La parole de Dieu peut pas tomber à terre sans accomplir. Ce qui est bimi et koko kisama. Et la parole de Dieu ne peut pas sortir sans pour autant s'accomplir. Quand elle est déclarée, quand elle est prononcée, elle doit impérativement. Parce que Dieu et sa parole sont un. Est-ce que Dieu peut tomber à terre? De même, sa parole ne peut pas tomber à terre. Ma sopra de kalouza, ma chouza prane kalouza. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Ma kotopoli kapalatato, so. Et rouza pa de kedege, degedege. 1 Samuel 3, ma chakalabaya. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Et Samuel grandissait, version Darby. Et Samuel grandissait. Et l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Zambé a tikité maloba ya Samuel à ta mokote ekoya nase. Ndeko. Lilo baya zambe eko ya kanasete. La parole de Dieu ne tombe pas. Soke bimi, il faut salisa musala batindi yango. Quand elle est prononcée, elle doit faire ce pourquoi elle a été sortie. Na yeko yebisa yo Samuel mususu atelemi na ekran azo lobela yo na tongo alelo. Amen. Amen na poko alelo. Samuel mususu atelemi azo lobela yo na poko alelo na cute ya deliverance ya vendredi yo. E na deklare, yoso ezo lala pongi na vina yo, elamoka. Eza la bafe na yo, elamoka. Eza la sante, elamoka. Na kombo na Yesu Masia. La parole de Dieu ne peut pas tomber à terre. Alobi et Samuel grandissait. Et l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucun de ses paroles. Version Lingala Mon Nouveau. Pe Samuel Azalaki se kokola. Pe Yehova Yemoko Azalaki elongo na ye. Pe na maloba na ye nyonso. Azangaki kokokisa ata mokote. Alléluia. Asali nini? Azangaki kokokisa ata mokote. Azangaki kokokisa ata mokote. Quand la parole sort, ce qui nous bimi, yebake, sache que et koko yana sete sans accomplir. Elle ne peut pas tomber sans accomplir. Quand kanga mutemana yo.
Connectez mon témoignage. Connecte ton cœur. Connectez mon témoignage. Connecte ton cœur. Tanga papa. Version top. Oui. 1 Samuel chapitre 3 verset 19. Mm. Samuel grandit. Oui. Le Seigneur était avec lui et ne laissa sans effet aucune de ses paroles. Ne laissa sans effet aucune de ses paroles. Alléluia. Amen. Voici une parole de vie. Écoute. Samuel devient grand. Le Seigneur est avec lui. Et tout ce que Samuel dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. L'iloba zambe et koya kanasete. Quand un prophète, un homme de Dieu parle, sache-toi qu'il parle de la part de Dieu. Et s'il parle de la part de Dieu, cette parole n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Et cette parole ne peut pas tomber à terre sans s'accomplir. Ce qui m'a fait un exemple, c'est que il y a Télémi, Azali Koloba, Yemete Azoloba Kouta Nanzambe. Et ce qui est Azoloba Kouta Nanzambe, Malobawana, et Zande Maloba Nanzambe, ou est Koki Kobimate. Voici une parole Semeur. Voici une Semeur dit, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. On parle de l'efficacité de la parole. Parole est efficace, est un effet. Et produit ça qu'a effet. Et bimi, et coproduit effet. Abi, a tiki tes paroles naie et rester sans effet. Dengue na zote ya oyo, parole oyo, et koti kayote sans effet. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Ango mutuaza na soin intensif. Abi kisami balamoko, balamoko. Amen. Balamoko. Quelle version? Version française courant papa. Merci. 1 Samuel chapitre 3 verset 19. Samuel devint grand. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part n'est restée sans effet. Sans effet. Yeah. So, quand la parole sort, je ne sais pas qu'elle produit ça qu'elle fait. Quand la parole sort, elle produit. Connectez Kondimanayo. Au sentir, chef de peau, au sentir le côté, dis ma parole dans mon beso. Ouais, la parole brute. Un homme de Dieu. Kenneth Hagin, un général qui est mort maintenant, il est parti à la gloire. À l'âge de 16 ans, les médecins ont dit que c'est fini, il va mourir parce que Kanaye est grave. Et il est paralysé au lit, il ne marche pas. Les pasteurs sont venus prier, il fait tout, il n'y a pas de changement. So, on est en train de préparer déjà son enterrement, tellement que les chorales sont venus pour chanter pour lui. Les chansons qu'on va chanter les jours de son enterrement. Pour yébake, kanaïza grave. Et les pasteurs aussi a venu prêcher. Matéa, pour yébidengi mentalité namango, kototeya yo matéa, pour lignango mento changer. Matéa totéya yo mukoloto okunda. Parce que kanaïza, yébani ki c'est fini. Mais cet homme, abaniko tanga, évangile. A komina Matthieu, Marc, s'il te plaît, a komina Marc. Abaniko tanga azo tanga evaji Matthieu akoti asisi Matthieu akomina Mark chapitre 1 chapitre 2 akomina chapitre 11 tanga akomina verset 23 Mark 11 23 amoni Bible lobi tout ce que vous demanderez 23 et 24 tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez. So depuis tout ce temps, nous avons paralysé dans ce que il faut une gagne de ma gagne, si nous avons encore. Alors, si c'est comme ça, selon ma gagne, nous avons encore mille fois, ils ont sonné dans le monde. Si c'est comme ça, c'est-à-dire, tout ce que je demanderai, quoi que vous l'avez déjà, nous avons encore. Mais si c'est comme ça, nous avons mais il est paralysé. Abaniko sala action. Selon face wana, face wana, a telemi. Akoi albite mena monike nan dimake na sina zui na kozuate na sina zui atelemi lisusu akoi asimbi mbeto atelemi makolo yoso paralyse troisième fois force yé sous naturellement atelemi ko telemi na yé depuis mukolo wana na aja 16 ans 17 ans ti na 89 ans ti na 89 ans
Il a vécu, vit mon corps en bonne santé, sans même mot de tête. Parce qu'il a suivi révélation. Et il a un livre, Yosoke de Tala. Il a commis Marc 11, 24. Marc 11, 24. Un livre, Yosoke. Libkolo. Tous les livres. Et ça révélatrice pour nous. Amen. Moutou a simbi et neko. Personne n'avait touché. Moutou a imposé ma beau côté. Personne n'a imposé les mains. En demi-parole, na mou. Il a cru en la parole de Dieu brut. Na ye koyeb sayo. Je viens t'annoncer. Aucune de ces paroles va tomber à terre sans accomplir. Si tu peux y mettre ta foi. Nous avons atteint la il faut te préparer mon thème à Banana. Devons préparer les cœurs d'enfants. Ce n'est pas seulement par l'imposition des mains. Mais tu peux recevoir ton miracle. Même dans mon sika. Nasimbi mutute kaka na écran oyo batu bazo bika na maladie ya dengue délivrance de salima batu bazo za te baptême du Saint-Esprit même na musika. Et depuis que ces fléaux ont commencé, je n'ai touché personne, mais juste par la télé il y a des délivrances et des miracles. Même après ces périodes de petit déconfinement oyo connecté kondimana yo. Connecte ta foi. Alléluia. Amen. Oh yes. Tokei liboso. So, la parole de Dieu ne peut pas tomber à terre sans accomplir. Comme Dieu ne peut pas tomber à terre, sa parole ne peut pas tomber à terre aussi. Ésaïe 55. Ma chubra zeke di babouzan zozozo pro zeke di amaha. Esaïe chapitre 55. Aya neme kede kede bede bede be. Alléluia. Amen. Ngonga ya parole ebeti. Le temps de la parole a sonné. Zambi a lobelika mboula ou ezamboula ya miracle extraordinaire. Yango tozo mona yo. Eza miracle extraordinaire. Nanu esilite. Bazo zela makamoka. Bako mona miracle extraordinaire. Bazo mona angote ya. Oko vivre miracle extraordinaire. Oyo mokili bazo zela. Yangote. Oko mona miracle extraordinaire. Dès que Dieu m'a parlé. En cette année, nous vivrons et nous verrons des miracles extraordinaires. Alléluia. Amen. Bayana Ebola. Tolongi yango. Bayana cholera, tolongi yango. Bayana tifoi, to espevye jion, tolongi yango. Yonso tozo longa. Amen. Toza bayuda. Nous sommes les Juifs. Notre Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Esaïe 55. Yoka makambo alobi. Écoutez ce qu'il a dit. Je lis au nom de Jésus. Verset 10. Verset 10. Esaïe chapitre. Version Darby d'abord. Alobi, car comme la pluie et la neige descendaient du ciel et ils n'y retournaient pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, verset 11 sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Oyoki. Tu as entendu? Alobi. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet. La parole de Dieu ne tombe pas à terre sans accomplir. Oh yes, version Moussous. Version Lingala et Alelo, yes. Verset 10 et 11. Esaïe 55, verset 10 et 11. Maloba nangai et salaka loko la mboula na neige. Voilà. Yango euta kana likolo pe ekoya kana se. Ezonga kalisusu na likolo te. Yango epolisaka mabele pe botisaka yango epesaka mbuma na oyo bakoki kokona lisusu. Pe oyo bakoki kolia. Se bongo. Maloba na ngai esalaka makambo oyo ngai na lingi. Ekokisaka mokano na ngai. Okay. Esalaka oyo ngai na lingi ekokisa mokano na ngai. Yango koko che kondima na yo konekte kondima na yo na liloba ya Nzambe. Parce que oyo elobami yango nde kokokisa ma na vie na yo. Ce qui est prononcé, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Version en français courant, Isaïe 55, verset 10.
La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. Alléluia. Sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour s'aimer et ce qu'il faut pour se nourrir. 11. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit de fait. Sans avoir produit de yoka na kombo na Yesu atozo bela na minito yo na sakoli yamba lobiko na yo. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Alléluia. Yes. Sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Version Parole de vie. Ésaïe 55, versets 10 et 11. La pluie et la neige tombent du ciel. Voilà. Elle n'y retourne pas sans produire un résultat. Elle arrose la terre, elle la rend fertile. Yep. Et font pousser le grain. Ainsi, elle donne des graines à s'aimer et de la nourriture à manger. Verset 11. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Hey. Elle réalise ce que je veux. 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 Alléluia. Amen. Elle réalise ce que j'ai. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Quelle version ça? Parole de vie. Parole de vie. Voilà. Alors bien, elle réalise ce que je veux et elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Parole. Ce qui n'a talio na lobi obikisami, obikisami. Si je te regarde, je te dis que tu es guéri, sache que tu es guéri. Ce qui n'a lobi, tu es féconde, tu es féconde. Ce qui n'a lobi ozobota, ozobota. Tokola. Grandissant. Disons, chrétien, chrétien, basos comprend mystère du royaume. Yangozambalubi, mon peuple, mon peuple, mon peuple, par les païens, sont détruits faute de la connaissance. Moutou a prononcé parole de colonne, mais ozo luka, ozo. Non, non, non. Zala mundimi yaliloba. Zala mundimi yakondima. Nous ne marchons pas parce que nous voyons. Nous ne marchons pas parce que nous sentons. Mais nous avons dit qu'il faut payer les gens tout le temps, les gens chaque jour pour aller pour ma camouille. Non. Une fois seulement, on a déclaré une parole. Prononcez seulement une parole. Je sais que mon serviteur sera guéri à la maison. Les soldats centurions. Alobi bongo. Yeshua balité balanambala. Une fois. Andimi, et ma kamo salami, yo pe dima. Pas que zo tumi sa moussa la zambe, hein, obengye lelo, lobi obengye. Et combien de personnes a moukil bagouma obengaye? Zala quand même, mundimi ya kondima. Hein? Sois un chrétien qui a la foi. Ou quand que c'est l'abondance de prières. Prier pour moi aujourd'hui, demain, y a chaque jour, 16 jours, un mois, y a un de kobika. Non, oza na kondimate, oza bébé chrétien. Si tu fais ça, tu n'as pas. Prière de la foi, une fois. Comme qu'on commence ensemble. On monte l'autre côté. On sentit, On se répète. Je sais que je suis guéri parce que la parole est déjà sortie sur moi. Le sang est attendu, mais il m'a rambala moko. Nasima, on monte mon atte. Pour mis ensemble, pour te aimer, ici au bikisami. Je sais la foi. On est des condiments. C'est ça la foi. On est des condiments. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, mon père, m'a prophétisé à l'hôpital, pas en Afrique, de l'Afrique centrale. Il m'a dit, oui, papa, tu vas réussir. Et s'il y a une fois, nous avons répété encore chaque jour, depuis 20 ans, nous avons répété encore. Et je pars de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. De gloire en gloire.
sur moi. Il a dit, tu vas réussir. Je me suis accroché à ces trois mots et jusqu'à présent, j'ai continué à prospérer. Alléluia. Amen. Amen. Version top. Ouais. Versets 10 et 11. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut, sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné des semences aux semeurs et la nourriture à celui qui mange. Verset 11. Ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît. Oh, ma chata patala kapa. Sans avoir exécuté ce qui me plaît. Ainsi sera ma parole. Yes. Version amplifiée. Vers Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. Car comme la pluie et la neige descendent du ciel, elles n'y retournent pas sans arroser la terre et la faire porter et germer et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi vide, c'est-à-dire inutile ou sans résultat. Alléluia. Sans accomplir ce que je désire et sans réussir dans le domaine pour lequel je l'ai envoyé. Maintenant, ce qui est yo qui m'a aboyé, est-ce que c'est le bas singa basam la puna chaque jour? Yo moni basam beli puna naza chaque jour. Pas mis ces paroles. Hein? Zala kondima, zala na kondima, zala longuana ki bébé chrétien, comment mieux? Ne sois plus bébé chrétien, tu dois. Dimali lo basam beli na mi peso. Moi, c'est la parole. Brute. Dès qu'elle est brute. Balobi est loco et qu'on gâté sans avoir créé l'effet que je lui envoie, sans avoir exécuté ma mission que je lui envoyé. Soyo, zala na yo tranquille. Sois tranquille. Oyo capable, oyo que loco de yebite ja. Que tu sois. Et paroles et bimi et qu'on gâté sans accomplir. Tu sais que la parole qui est déclarée ne reviendra jamais sans pour autant qu'elle puisse accomplir. Alléluia. Amen. Comme ngonga ya parole yango tozo te ya yo efficacité de la parole oyeba que la parole est tellement efficace et nous avons atteint la saison de la parole. Voilà pourquoi nous t'exhortons, nous te prêchons sur l'efficacité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moto azana azuluka abota. Quelqu'un qui cherchait à ngai nazana kisasa ye azakuna musika. Nazo sambela na téléphone. J'ai prié par Moutou a koyi pa. Elle est tombée na ndako na ye. Dans sa maison. Nazo yoka téléphone koyi me nazo yoka denge ba démon bazo manifester. J'ai entendu le téléphone tomber. Mais ni kabonini dayo nanga e bora ni ozo baby sa makamuna ngai. J'ai entendu le démon manifester. Le lo nazo ipsa yo asia boti. Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'elle a déjà enfanté. Parole na musika de loin musika de loin je parle Kinshasa tina goma so kivu musika Kinshasa goma de l'ouest à l'est denge na zo loba na minute yo na libérer parole ya sa écoute la yo na ndako esotole la partie écran na kombo na Yesu yes na kombo na Yesu masia na kombo na Yesu masia. Jamba ya yo posa mutim. Tout ce qui ne marche pas na vie na yo ba na marche. Ba porte yo se kangami na fungoli. Eza la finance na fungoli. Eza la santé na yo eza affecté na déclaré na fungoli oza libéré. Obiki sami o kangolami na kombo na Yesu Masia. Amen. Alobaka toujours. Je le dis toujours. Soko moni na sebole ba bo Simba. Eza les actes de la foi, Simba imposé plus qu'à Omona. Quelque chose se passe, c'est la parole. Et Zé Loba, quand tu me vois étaler ma main comme ça, pose ta main dessus sur ton Yesu aboni mutoyo, aza handicapé, ma boko boya lobi. Étends ta main, apaisse ses responsabilités. Tango yepé azozola, ma boko y s'est là allongé. Et Dieu a vu la personne qui avait la main sèche. Jésus l'a dit, étends ta main quand il a été. Tango a commis na tombo ya Lazare lobi. Ôtez le pierre.
Balongoli. Après Alobi. Lazare, sors. A gagné Lazare. Bima. Lazare s'est levé. Yo pedengo simbi loboko yo na écran. Que tu poses ta main sur. Nguya sambe traversé yo. Que la puissance de Dieu te traverse. Mega tous kalema kulantala machete. Nalobi nguya zambe nguya molimo santu e traversé yo. Yamba yangona komuna Yesu. Yamba yangona komuna Yesu. J'ordonne ta délivrance. J'ordonne ta délivrance. Soyez guéri, soyez libéré de cette oppression au nom de Jésus. Amen. Shabadobo shika palakatos. Ande kele boko santo prodia. Yo wana uzana makwanza. Zoto ko kwanza soki mpese soki nini denge o impose maboko na loboko yo oche na zoto na yo obikisami na kombo na Yesu o kangola mina yango o nom de Jesus natanga maladi na yo natanga yango te connecte kondi manayo e yambalo biko na yo na lobi yambalo biko na yo na lobi yambalo biko na yo na lobi yambalo biko na yo o nom de Jesus Christ de Nazareth la parole de Dieu peut pas tomber à terre sans accomplir la mission qu'elle avait été envoyée. Ok. Point Yasuka numéro 8, lelo, la parole de Dieu vivifie. Yasuka lelo lilo bananzambe apesaka bomoi. Quand elle vient, elle vivifie. Jean 6, 63. Chapitre 6, verset 63. Dès qu'elle entre quelque part, elle va vivifier la place. Jean 6, 63. La parole de Dieu vivifie. Amen. Jean 6, verset 63. Darby. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. C'est l'esprit qui vivifie. Yoka bien l'esprit. Et la parole de Dieu, c'est quoi? L'esprit. Parole est esprit. Mes paroles sont esprit. C'est l'esprit qui vivifie. So, l'esprit de la parole, dès que koti. Et qu'on vivifie ce kawana. Amen. Natonga lelo, ami nabutwa lelo. Yamba vivification. Nalobi yamba vivification. Nalobi yamba vivification. Nakombo na Yesu Masia. Il y a quelqu'un aux la nangai. Vendredi kiutoyo. Okolamuka. Aux huit témoignages na yobiki sami okambo. Amen. Parce que loko ese koteli odenga nazo. Parce que quelque chose est déjà entré en toi. Hallelujah. Amen. C'est notre année de miracles extraordinaires. Zambula la biso a makamu ici a nolenge nyonso. Hallelujah. Zambula zo sala na nzela e écran. Dieu opère au travers de l'écran. Malade na bango na Zambula zo biki sa zo kanga na nzela écran. Dieu guérit par l'écran. Hallelujah. Amen. Version tort. Oui. Jean chapitre 6 verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. Oui. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. So, parole est une capacité à vivifier. Et l'eau qui couvre et que son sang n'a pas moi. Parce que en elle réside la vie. En elle réside la vie. Ma chopradia. Version Lingala Monde Nouveau, Jean chapitre 6, verset 63. Eli monde et pesakabomoi. Mosuni ezali nantina ata mokete. Maloba oyo na lobi na bino. Ezali molimo pe ezali bomoi. Maloba na lobeli bino ezali molimo pe ezali bomoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soki to tangi 1 Jean, nami, Jean chapitre 1, verset 4, alobi en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En elle réside la vie. En elle, elle c'est qui? C'est quoi? La parole.
Parce qu'à Bandia, parti à Basséouin, au commencement était la parole, et la parole était avec, auprès de Dieu, et la parole était Dieu, verset 2, elle était au commencement auprès de Dieu. Verset 3, toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Verset 4, en elle, en la parole, en elle était la vie. So, la parole possède la vie. Quand je libère la parole, la vie qui est dans la parole est cotelio et vivifiée. Amen. Jean chapitre 1, verset 4, nous lisons la version anglais amplifiée. En lui était la vie. Au moment, j'ai dit que Dieu et sa parole sont un. Par le biais que lui, il y a un peu de nini. Lui. Ce qui n'a pas été français, lui, il y a un peu de nini. Moutou, masculin. Et parce que Jean 1, verset 14 dit, et cette parole est devenue chair. Lui, parle de lui. Parce que Aza masculin, Aza Moutou. Alléluia. En lui était la vie. Mm-hmm. Ce qui veut dire le pouvoir de donner la vie. Le pouvoir de donner la vie. Dans la parole réside la vie. Na kati ni lobande bon moyezali. Bisikaliwa e batamana nzoto nayo. Partout la mort est cachée. Na semboli maboko na ngai lisusu. J'étends encore une fois. Yamba bomoi. Reçois la vie. Et na bengani liwa. Et je chasse la mort. Maladie yo se conduit à la mort. Toute maladie qui conduit à la mort. Na bengani ango. Je la chasse. Li na libéré bomoi. Je libère la vie. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ. Thank you Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. Anel. Amen. Anel. Amen. Anel. Praise the name of Jesus. Yes. Jean chapitre 1 verset 4 version français courant. En parole vivante, la vie résidait en lui. Merci. Ça c'est terrible. Parfait. La vie résidait en lui. Voilà pourquoi j'ai dit la parole de Dieu vivifie. Et quoi vous vivifiez yo? Parce que la vie réside en lui. Yesu alobi, si Jésus est sa parole, si Jésus est la parole, personnification de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 1, 14, et cette parole est devenue chair, qui est Jésus. Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, que je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus qui est la parole. Vivant. Alors, je suis le chemin, je suis la vie. La parole aussi est la vie. Quand la parole vient auprès de toi, il va que bon mot écoute. Amen. Ce qui ne baille pas là, il va que bon mot écoute pas là. Alléluia. Marche au bras de Jean chapitre 1 verset 4 version Lingala yalelo. Oui. Bon mot inyoso et uta kande na ye. Alléluia. Amen. So, c'est clair. La parole de Dieu a la capacité de vivifier, de donner la vie. Quand un homme, quand je parle maintenant, je prophétise, je parle basé sur la parole parce qu'il est écrit dans sa parole. Il confirme la parole de son serviteur et il a compris ce que prédit son envoyé. Quand je parle de la part de Dieu. Et cette parole, en elle réside la vie. Et ce qui Jean chapitre 11 verset 38. Yango, la parole de Dieu nous a dit dans Joël que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche. Ne dis pas parce que vous êtes pauvres que vous êtes pauvres. Non, ils vont dire ma oyoyo lingio koma au vivre. Amen. Que les faibles disent je suis fort. Est-ce que le lingio c'est la faible? Ne dis pas que je suis faible. Non, tu dis je suis fort au nom de Jésus. C'est pas moi qui a dit ça, c'est la parole de Dieu. Parce que la vie ou la mort est dans le pouvoir de la langue et chacun doit en accepter les conséquences. Alléluia. Amen. Il faut aussi sur la révélation est derrière. Pourquoi il n'y a pas de résultat? Parce que beaucoup disent seulement logos. Mais il faut zwango
na angle révélation dès que sur révélation et le quoi au premier yango ezana ife parce que c'est la parole de Dieu alobi que les faibles disent je suis fort au nom de Jésus papa Samuel Aponanga, je suis fort au nom de Jésus. Nasi na comprendre, nasa mutu amoli, na comprendre langage ya liloba. Amen. Ne dis pas que je suis faible. Non, non, non. Je suis fort. Et parce que elokozo loba yango de okozwa. Amen. Parce que la parole de Dieu a la capacité de vivifier. Ce que tu déclares, c'est ce que tu auras. Pour être le balanza, nasa na makoki ya pepe sabomoy. Parce que Proverbe 18 verset 20 alobi, tina 21 alobi, la vie. Où la mort est dans le pouvoir de la langue. Et chacun doit en accepter les conséquences. Cela a des conséquences aux paroles d'Abisso et aux l'Abisso. Jésus donc, frémissant encore en lui-même, vient au sépulcre. Or, c'était une grotte et il y avait une pierre dessus. Lingala Alelo, verset 38. Yezu ayokaki mawa mingi na motema, pe akeyi na cimetière. Ezalaki libulu na kati. Yamabanga pena monokona yango batiaki libanga ya monene. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Jésus a lobi, bolongo la libanga, kasi Marthe ndeko ya moto oya kufaki a lobi na ye. Mokonzi azali kolumba solo. OK. Bamba te asi asali mikolo minei na libulu. Ta la parole. Et bandi déjà ôte la pierre. Marthe la sœur du mort lui dit Seigneur, il sent déjà car il est là depuis 4 jours papa, maman. Aba na konsan asante. Aba mumba solo, aumba solo te. Là où il y a la parole, réside la vie. Yes. Et là où réside la vie, la mort va disparaître. Amen. Continue. Verset 40. Oui. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Moni, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas que Naïf Sabino? Linga la verset 40. Yezu azongi selie soki ondimi okomona lokumu ya nzambe soki ondimi okomona lokumu ya nzambe est ce que na FC binote mona nino zo tunanga question wana ke po azo wazumba solo non soki ondimi okomona lokumu ya nzambe koza la chrétien te oyo azo tambola na misu na oyo azo senti na oyo azo non 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 nous ne marche pas parce que nous sentons. Nous voyons, non, nous marchons parce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Continuez, papa. Ceux qui ont dit mieux que moi, le kumu ya nzambe, na lobaki boyete. 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Alléluia. 41 lingala nasima balomuli libanga Yezu atomboli miso na likolo alobi tata na pesi yo merci po oyoke lingai. 42 or moi je savais que tu m'entends toujours voilà. Mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi oui. Afin qu'ils croient que toi tu m'as envoyé. Yes. 42 lingala na yebite oyoke la kangai tango nyonso. Kasi nazali koloba boye pona bato bazali awa na ngai. Voilà. Bandima ete yo moto otindi ngai. Alléluia. 43. Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Sima ya maloba wana agangi na mongongo makasi. Lazare, bima. 44. Et le mort sortit, ayant le pied et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Allez. Lingala, verset 44. Moto oyo akufaki abimi. Makolo na maboko ezalaki ya kokangama. Ve elongi na ye elingamaki na elamba. Yezu alobi na bango. Bofungola ye. Bebotika ye atambola. Bofungale, botika ye a
tambola. Bofungula ye, botika ye, aha, tambola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, na lingio yeba. J'aimerais que tu saches que la parole de Dieu a la capacité de donner la vie. Alléluia. Amen. Jésus a bimé ses paroles. Jésus a prononcé Lazare sort. Lazare bima. Et la parole de Dieu a donné la vie à celui qui est mort. Balamoko a télémi. Du coup, il s'est levé. Et les mains sorties. Ayant les pieds et les mains liés de bandes. Et son visage était enveloppé d'une sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien-aimé. La parole donne la vie. Parce qu'en elle réside la vie. Nabutu alelo. Ce soir, je te communique la vie. Bisikayon soliwa evandi. Na communique yo bomoi. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Yamba bomoi. Reçois la vie. Yamba bomoi. Reçois la vie. Yamba bomoi. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Je dis yamba bomoi. Reçois la vie. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Natanga kana natanga yongute. Na kombo na Yesu, je te communique la vie. Amen. La vie de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que lui-même est la vie. Et sa parole est la vie. Sa parole donne la vie. N'a déclaré et n'a décrété. Reçois la vie na kombo na Yesu Masia. Amen. Atozo bela na déclaré obike sami. Amen. Basi yosu na nzoto na yo et disparaître. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Yoka. Écoute. Ata. Ozana problème na niveau ya mikwa. Dengiza me azo tali sanga na zo muna mochu mikwa. Mais si tu as un problème au Passe. Niveau de tes os. Na katia nzoto na katia mikwa. Tu as des douleurs osseuses. La parole de Dieu n'a pas de limitation. Na symbole maboko na ngai et na bimisi parole, esprit derrière ces paroles. Ekota na kati ya mikwa na yo. Pasi nyoso, eza la rhumatisme, eza la nini, na fe yango disparaître au nom de Jésus. Pasi nyoso zo yuka na nzoto kubana na mutu, tina makolo, elimwa son trace na kombo na Yesu Masia. Na déclaré au kangolami, au bikisami. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Mesho prade gabalata soso brodia. Egaluba chanta la baya. In the name of Jesus. Bien aimé. Nazo clôturé. Je crois que tu es béni. Osana témoignage. Si tu as un témoignage. Obosanate. N'oublie pas. Kotinda biso. De nous l'envoyer. Voice, vidéo. Pour te partager témoignage na yo. Afin que nous partagions ton pour mokili baye bake Yesu Masia azana bomoi et azo sala tilelo. Afin que le monde sache que Christ est vivant et qu'il agit jusqu'à présent. Tozo koba na enseignement soyez branchés. Nous allons continuer dans cet enseignement vendredi prochain encore même heure à 17h. Le vendredi prochain toujours à 17h après rediffusion. Après on va rediffuser. Et aussi dimanche à 7h. Le dimanche à 7h. Après rediffusion. Il y aura rediffusion. Et aussi mercredi à 10h. Et mercredi à 10h. Après rediffusion. Zala connecté. Soyez connecté. Zala branché. Soyez branché. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Avant de clôturer. Et avant de clôturer. Na lingi. J'aimerais Bipai Bozali, partout où vous êtes, comme Koutim Nabiso Boyebi, qui est la parole de Dieu. Comme ce que nous faisons, Yesu Alobi, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. Na lingi, Osimba Saint-Saint Nayo, je vais bénir la communion parce que vendredi, Ezamukolo Nabiso y a communion. J'aimerais que tu tiennes ta sainte scène à la main pour bénir cette communion. Je bénis cette communion
du sang de Jésus. Et je bénis cette communion de sa chair. Il a dit dans sa parole, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. Dans son sang et dans sa chair réside sa vie. Il est écrit, la vie d'un homme et dans son sang. Dengue zo participe na communion oyo. Yanzo to na makila na Yesu. Yamba bomoi. Au nom de Jésus. Na déclaré. Bomoi wana e pénétré esprit à mes corps na yo. Et cette vie pénètre ton esprit ton âme et ton corps. Yesu alobi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Parce qu'il est la vie. Puisqu'il est la vie. Communion de son sang et de sa chair donne la vie. Na communiqué au bon moment, na enzela communion oyo. Je te communique la Yamba yango na kombo na Yesu. 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 Da déclaré au bikisami. Je déclare au kangolami. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu. To sambeli. Amen. Amen. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Le temps de témoignage. Bonsoir papa. C'est docteur Armand. Je viens de vous envoyer des images. C'est un kyste dermoïde qu'on a trouvé chez ma femme. Donc, elle était opérée le samedi par rapport aux douleurs qu'elle avait là. Alors, le vendredi, on ne pouvait pas vraiment maintenir. Nous sommes allés à l'hôpital, on a fait l'échographie et le chirurgien a décidé qu'elle soit opérée. Alors, quand on l'a opérée, on a trouvé cette masse-là qui était comme un kyste. Alors, lorsque nous avons ouvert la masse, nous avons trouvé du pus avec les chevilles. C'est pourquoi je vous ai envoyé la masse tout entière. Et c'est la première image. Et la deuxième, hein, la masse est déjà ouverte. Vous voyez que les pus sont là et les chevilles qu'on a trouvé à l'intérieur de la masse. D'ailleurs, le chirurgien qui l'a opéré s'est étonné, papa. Toute l'équipe qui était en salle d'op, de pareils cas, vraiment ne peuvent pas être passés une semaine ni un mois. Or, les douleurs là ont fait plus ou moins une année. Plus ou moins une année que ces douleurs-là ont apparu, mais avec des prières que vous faites de temps en temps, on vient à l'église et tout ça, et des fois nous pouvons rester 3 mois sans douleur, or il y avait la masse à l'intérieur. Alors, quand j'ai expliqué aux chirurgiens et toute l'équipe, ils m'ont dit, en tout cas, c'est pratiquement impossible. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Parce que des pareils cas, ça s'est troué à l'intérieur. Lorsque ça se trouve à l'intérieur, les pus là vont prendre les intestins et puis les chevilles vont se ligaturer dans les intestins et ça bloque les intestins. Il n'y a pas moyen ni de faire des gaz ni de faire la défécation à la toilette et il n'y a pas moyen même de se mettre debout. Et à ce moment-là, on intervient, si on n'intervient pas, c'est une situation chaotique. Alors, papa, Nzambe Nayo, Asali Makambuya Minene, vraiment, ton Dieu a délivré ma femme, ton Dieu a fait un miracle extraordinaire. C'est le surnaturel. Moi-même, en tant que médecin, ma femme également, papa, elle est aussi médecin. Et quand je l'ai fait voir après l'anesthésie, vraiment, les larmes nous ont coulé.
Les larmes ont coulé et nous avons commencé seulement à louer Dieu, à remercier Dieu des grands miracles que Dieu a fait. Des grands miracles, papa, que Dieu a fait. En tout cas, papa, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour tout ce que vous faites pour nous, pour le soutien sur le plan spirituel que vous faites pour nous pendant ces moments aussi difficiles. Nous sommes toujours en contact et en communion avec vous en esprit. Merci papa, c'est un grand témoignage que je témoigne, la grandeur, la main de ton Dieu qu'il a fait à travers la santé de ma femme, parce que c'est vraiment imaginable, c'est impossible qu'on puisse garder une masse comme ça, enveloppée avec des cheveux à l'intérieur et de pus. Et une chose encore étonnante, papa, quand on a ouvert la masse, le pus là n'avait pas d'odeur. Il n'y avait pas de l'odeur. Il n'y avait pas de l'odeur. Or, généralement, lorsqu'il y a le pus, il y a toujours une odeur. Mais le pus là qu'on a ouvert, papa, ça ne poussait pas l'odeur. C'est ce qui a fait que ça ne cause pas. Donc, c'est la main de Dieu, sincèrement. C'est la main de Dieu. Merci beaucoup, papa, pour tout ce que vous faites pour nous. Gloire à Dieu. Merci que Dieu aussi vous garde, qu'il vous soutienne. Continue toujours à nous soutenir, toujours à nous protéger à travers ton Dieu, parce que Dieu t'a placé, Dieu dans ma vie, dans la vie de ma famille. Vous êtes comme Moïse. Oui, Dieu a fait Moïse et Dieu devant Pharaon. Dieu a fait Moïse et Dieu devant Pharaon. Et Dieu vous a fait Dieu devant ma situation, devant ma femme, mes enfants et papa. Vraiment, merci beaucoup, papa. Etela Yesu mapoko makasi. Tikana prophétise na bina. Nasa kola na boya. Bista baninga bazo kufa ko kufa te. Eloko pomita tena yo ko poma yote. Eloko pomi mama yo ko poma yote. Ya ye. Est la vie spirituelle? Est-ce que la foi est spirituelle? Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Na commission invisible. Na yoko kotsa yo. Na linie ya batu ba isapa makambo ya tenye wani.